Bonjour, je m'appelle Rémi et ma vie est pleine de bons souvenirs. D'ailleurs, tout a commencé ici même, le jour de ma naissance. C'était le 25 décembre, maman n'a pas eu le temps d'aller à la clinique, alors elle a couché ici, sur ce banc. Comme le petit Jésus, j'étais pressé de sortir. Non, non, elle était juste complètement bourrée, elle s'est mangée la déco de Noël. Ah oui? Heureusement, papa était là. Quand tu parles, il s'est barré dès qu'il t'a vu. L'émotion. Oui. L'émotion. Le jour où j'ai été embauché pour un poste à responsabilité, alors ça, ça a été un sacré souvenir. Surtout pour nous. Incapable de faire la différence entre un fax et un email. Pourquoi? Il y en a une. Quand tu auras fini avec les photocopies, tu iras me chercher un café. Et sans sucre cette fois-ci. Ah oui. Attention à votre cholestérol. Mon diabète. Ah. Oui, c'est pareil, hein. C'est du sucre. Effectivement, un autre moment marquant, c'est lorsque j'ai croisé ma femme pour la première fois. J'avais pas eu de client ce jour-là. Alors quand j'ai vu avec sa grosse tête ronde, j'ai fondu comme un fromage au soleil. Du coup, j'y ai fait une ristourne. Je t'aime, ma princesse. Bon, ils disent tous ça. Qui ça? Un autre très bon souvenir, c'était dans ce café, la fois où j'ai rencontré mon meilleur ami. Moi, un jour, j'étais là, j'étais en galère, j'avais pas un rond, et Eric, là... Rémi. Ouais, voilà, Régis, il m'a payé une mousse. C'est ça, l'amitié. Tiens, d'ailleurs, à ce propos, t'aurais pas 100 balles, là, c'est pour nourrir mes gamins. Ouais. Tiens. Merci, René. Eh, patron, remets-moi un rouquin, s'il te plaît. Alors, quand on me demande, est-ce que j'ai de mauvais souvenirs? Évidemment que non. Monsieur Rémi. Ouais. Voilà, j'ai le résultat de vos analyses et... Oula, ça c'est la tête de ça va pas être super super. Effectivement, ça n'est pas très positif. Ah. Bah ça va faire plaisir à ma femme. Comment ça? Elle trouve que la perruque ça me donne un petit côté présentateur télé. Et moi j'adore faire rêver ma femme. Puis ça lui ferait un souvenir.